Qui êtes-vous? D'où venez-vous? De quel établissement? Moi, je viens du lycée du Vigan, André Chanson, une cité scolaire. Pourquoi êtes-vous là? Pour essayer de participer à un mouvement plus grand, puisque le Vigan, on est une petite commune et on peut pas bien se faire entendre. Et là, j'ai pensé venir ici participer à un plus grand mouvement, avoir plus de chances que la jeunesse elle se fasse entendre. Alors justement, quel est votre message? Moi, en fait, j'aimerais vraiment protester pour que le monde change, en fait. Je suis un peu perdu actuellement et je viens ici vu que je conteste contre le monde actuel et essayer de trouver d'autres solutions. C'est principalement ça. Et quelle est l'idée, justement, principale que vous voudriez véhiculer? Moi, c'est vraiment pour le développement durable, toutes les idées autour de ça. J'ai pas vraiment d'idée, j'en cherche aussi encore actuellement, je suis en pleine recherche aussi. Mais plutôt que de rester enfermé à essayer de chercher des idées, je préfère essayer d'être actif en ce moment. La jeunesse doit prendre ce problème à bras-le-corps? Ah oui, elle doit le prendre. Et il faut justement qu'il y en ait qui arrivent à motiver des gens, qui arrivent à y aller à la place d'autres, qui ont peur d'y aller puisqu'il y a des cours, qu'il y a les parents, la pression sociale. Donc je représente un peu aussi ces gens-là qu'on essaye de venir les représenter ici. C'est important. Les adultes, eux, ne poussent pas assez vers cette problématique, selon vous, ou pas? Non, mais ils la poussent différemment, en fait. Ils ont une autre vision. Ils pensent aussi au présent. Nous, on pense vraiment beaucoup au futur. Beaucoup plus au futur, vu que c'est nous les jeunes, quoi. C'est un peu notre avenir. Et voilà, c'est ça. J'ai pas vraiment de mots à mettre là-dessus.